Carmen, c'est un opéra the biggest tube of opéra, c'est-à-dire que tout le monde le connaît. C'est pas parce que c'est un opéra français qu'il y a que les Français qui le connaissent. Vous allez demander à un Américain de vous siffloter un air d'opéra, ils vont faire du Carmen. C'est formidable. Donc, les personnages importants sont... déjà Carmen. C'est une femme belle et très sexy, et en même temps, pas des culottes. Voilà, qui nous avons d'autre ? Nous avons Don José, qui est commence sur une place où d'un côté nous avons la caserne et de l'autre côté nous avons l'usine de clopes, l'usine de tabac. L'opéra commence et on a des petits soldats qui sont en train de monter la garde. Il y a des petits enfants trop mignons qui sont en train de jouer aux soldats et donc du coup là il y a une chanson qui est un petit peu un tube, qui est très mignonne et qui reste beaucoup en tête. Après, il y a Don José qui débarque et qui va monter la garde avec ses petits potes. Et il y a le capitaine Zuniga, qui est un petit nouveau, et qui demande à Don José et sa bande de potes qu'est-ce que c'est qu'en face de la caserne ? Quel est ce bâtiment ? Et les gars, ils sont là, bah voilà, c'est une usine de tabac, et c'est majoritairement des femmes qui y travaillent. Et le petit Zuniga, sa réponse c'est « Oh, il y a que des femmes qui travaillent en face de chez nous, et elles sont bonnes ?» Et Don José, cette espèce de bab tout fragile, il répond « Je ne sais pas, ces Andalouses me font peur, et particulièrement celles qu'on appelle Carmen. » Pile à ce moment-là, la cloche de l'usine retentit. Et c'est la pause clope pour celles qui fabriquent les clopes. Donc, t'as toutes les nanas qui débarquent sur la place et qui chantent un chœur qui est assez drôle quand on le met dans notre époque contemporaine. C'est qu'elle chante un chœur qui fait l'éloge du tabac. Et après, Carmen débarque sur la place et on te présente ton personnage principal en la faisant chanter l'énorme tube de toute la vie, de tout l'opéra entier, the biggest tube ever. Voilà, et maintenant vous l'avez dans la tête pendant 3 semaines, de rien. Donc, en même temps qu'elle chante ça, elle remarque le petit Don José, le petit Don José, elle le mate, elle le choisit, elle dit « Ah, lui, je vais le pécho, il est pas mal et tout ». Du coup, elle prend sa fleur, parce que oui, elle a une fleur sur elle, Carmen, elle est comme ça, elle a des fleurs sur elle. Elle prend sa fleur et elle lui balance à la gueule. Parce que dans ce monde-là, quand tu balances une fleur à la gueule de quelqu'un, ça veut dire que tu le pécho. Du coup, au début, il est choqué, en mode « Oh là là, mais l'effronté... ça va pas de me balancer une fleur à la gueule, n'importe quoi. » Mais bon, il ramasse quand même la fleur. Du coup, non seulement il ramasse la fleur, mais en plus, il la renifle et il commence à se dire « Je la kiffe bien quand même, celle qui me fait flipper. » Ensuite, c'est la grosse pagaille parce que Carmen vient de se fighter avec une autre meuf. Non seulement elle chante bien et non seulement elle sait jeter des fleurs, mais en plus, la meuf se bat. Elle lui a genre... taillé au couteau une croix sur la gueule ou un truc comme ça, genre ultra violent, c'est gore. Et du coup, Zuniga, le nouveau capitaine, il dit « Toi, tu vas être condamné à la prison et tout, et c'est Don José ici présent qui va te surveiller. » Non, non, elle se retrouve en prison, et il y a Don José qui la garde. Et donc du coup, elle commence à lui parler, elle commence à lui dire « Je t'ai jeté une fleur et tout, t'es quand même mignon, machin. » Et là, il lui dit « Non, ça suffit, tu n'as pas le droit de me parler, je refuse. Je suis trop faible, quoi, je suis un bab tout fragile, si tu commences à me parler, ça va être la merde. Donc, me parle pas, s'il te plaît, arrête de me parler. » « Je ne parlerai plus,
Donc elle dit d'accord. Et là, il y a un magnifique duo qui est très... très bien. C'est un duo, très bien. Où elle chante pour se sortir de prison. Et donc, tout en chantant, elle commence à draguer Don José. Et donc forcément, Don José, il craque, il ouvre la prison à Carmen. Et forcément, Carmen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se casse. Quand les autres soldats, ils débarquent, ils trouvent quoi? Ils trouvent Don José avec plus de prisonnières dans la prison. Et donc, du coup, Don José est accusé de trahison. Et il se fait enfermer à la place de Carmen. L'acte 2, ça se passe dans une auberge. Et dans l'auberge, il y a notre méchant national, le capitaine Zuniga, qui est en train de boire un coup. Il commence un peu à être bourré. Et donc du coup, le mec commence à draguer Carmen. Et Carmen, elle est là. Genre, non. Non. Et pile à ce moment-là, il y a une foule. Il y a une foule de gens trop contents qui débarquent et qui sont en train de chanter la gloire d'un toréador qui s'appelle Escamillo. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tube d'opéra avec le mot toréador dedans? C'est trop cool. Donc pendant qu'il est en train de chanter comme un beau gosse acclamé par tous ces gens en folie, et ben il va en même temps, il va mater Carmen et il va plus ou moins la draguer. Et elle est en mode bitchesse qui se laisse désirer, en mode oui peut-être, non je ne sais pas. Donc voilà, la scène reste avec Carmen, deux potes à elle et des trafiquants qui sont en train de préparer un plan. Ils essayent de les intégrer dans un plan illégal de trafic. Les deux potes de Carmen, elles sont là, bah oui, pas de problème, de toute façon, c'est l'habitude. Et Carmen, elle fait non, moi je vais pas venir. Et elle fait parce que je suis amoureuse. On apprend tout de suite après qu'elle est amoureuse de Don José. En fait, la pote de Carmen, elle nous explique que pendant ces 2 mois de prison, Carmen, elle lui a filé, elle lui a fait en sorte qu'on lui donne une lime pour qu'il puisse s'échapper. Pile à ce moment-là, qui c'est qui débarque? C'est Bibi! C'est Don José! Donc tout le monde se casse, il arrive, et donc du coup Carmen elle lui dit « Pourquoi tu t'es pas échappé ?» Et lui il est en mode « Non, tu comprends, moi j'ai trop d'honneur. » Et là il lui fait une énorme déclaration d'amour. Et elle est un peu en mode coquinette. Elle lui dit « Je vais danser pour toi. » Un espèce de duo commence, un duo très suggestif on va dire. Donc ça commence à être pas mal et tout, il commence un peu à se chauffer et tout, machin. Sauf que là, retentissent les clairons. Donc du coup il dit à Carmen, bon bah je suis désolée, on va devoir s'arrêter là parce que je dois aller à la caserne, je dois répondre à l'appel. Et là Carmen elle est trop vénère, elle est en mode quoi machin? Ouais en fait t'es pas celui que je pensais, casse-toi, je t'aime plus et tout. Et lui il est trop désespéré, il est là, la fleur que tu m'avais jetée. Mais là, qui c'est qui débarque? Le capitaine Zuniga. Et le mec complètement pété, j'imagine, complètement bourré, il dit « Ouais, Don José, je suis ton supérieur hiérarchique, donc j'ai le droit de débarquer ici, de te faire sortir d'ici et de te piquer ta zouze. » J'aimerais préciser que les femmes ne sont pas des sextoys qu'on s'échange entre collègues. Don José, qui fume un bac tout fragile, mais qui là, il en a quand même gros sur le haricot, du coup il sort son sabre, commence un combat contre Zuniga, il commence à vouloir défendre l'honneur de sa zouze et tout ça machin, et là il y a les trafiquants qui stoppent le truc, parce que quand même faut pas déconner, Zuniga admet son impuissance, et il se casse. Du coup Carmen, elle en profite, elle lui dit bon maintenant que t'as fait de la merde, tu viens avec nous faire les trafiquants dans la montagne? Et forcément là il est obligé de répondre oui, parce qu'il est trop dans la merde.
a les trafiquants qui sont en train de préparer leur opération pour aller voler des trucs. Et donc pour faire cette opération, il faut amadouer des douaniers. Carmen et ses potes disent « Ah oui, les douaniers, oui, pas de problème, on s'en occupe, ils seront distraits, vous inquiétez pas. » Donc forcément, ce partout fragile, il est ultra jaloux. Et donc là, Carmen, elle commence à lui dire « Bah écoute, mon gars, t'es vraiment trop chiant, tu sais pas vivre comme nous, on sait vivre, enfin, t'as qu'à aller retourner vivre avec ta vieille mère, c'est bon quoi, nous fais pas chier. » Bon, du coup, pendant qu'elle est en train de s'engueuler avec Don José, Michaela, elle part commencer l'intervention. Et pendant qu'elle part, Don José, sa mission, c'est de protéger le camp. Il y a un inconnu qui débarque, et donc du coup, Don José, il voit pas qui c'est, il lui tire dessus, et en fait, c'est... Je suis Escamillo, torero de Grenade. Notre cher toréador, Don José, va voir Escamillo et dit... Oh pardon, excuse-moi, je te tirais dessus, désolé. Qu'est-ce que tu viens faire dans la montagne? Et le mec dit, j'ai appris que Carmen était là, et je viens la séduire parce que... Il y a un moment, elle était avec un soldat, mais... Donc là, forcément, Don José devient super vénère. Et Don José commence à se jeter sur lui en mode « Ah, je vais te défoncer ta gueule et tout !» Et là, heureusement, Carmen arrive en mode « Non, mais ça va pas, stop !» Don José, il est ultra vénère et il dit « Fais gaffe à toi, Carmen, je suis lasse de souffrir. » Et la Michaela, qui était partie en opération pour aller séduire des douaniers, revient avec le bilan santé de la mère de Don José. Et elle explique à Don José que sa mère va pas bien, et qu'il faudrait peut-être qu'il aille la voir avant qu'elle décède. Et Don José, il est là, non, moi je vais pas partir voir ma mère, parce que je sais que si je m'en vais, le temps que je ne sois pas là, toi tu vas aller coucher avec des autres. Et Carmen, elle hallucine. C'est quoi cette jalousie possessive? Tu vas voir ta mère, et toi et moi c'est terminé. Et du coup lui, il part en disant, sois contente, je m'en vais, mais... Donc ça se passe devant les arènes, devant l'entrée des arènes, juste avant les courses de la corrida de Escamillo. T'as Escamillo et Carmen qui sont bras dessous en mode love love cœur cœur. Et y a Carmen qui dit à Escamillo, si tu gagnes la course, mon corps sera la récompense. Il faut motiver les gens, hein, elle le motive. Et après lui, il part au combat. Et là, qui reste devant l'arène avec Carmen? Surprise! Don José! Et qui dit à Carmen, j'ai envie qu'on se remette ensemble, reprends-moi. Et Carmen, elle dit non, elle lui dit non. Il arrête pas d'insister, et elle commence au bout d'un moment à se vénère, et elle dit, non, c'est non. Pendant ce temps, à l'intérieur, on entend la joie des gens qui crient, Escamillo, bravo. Donc on comprend que Escamillo a gagné. Du coup, elle dit à Don José, bon, t'es mignon, moi ça me saoule, j'aimerais bien rentrer à l'intérieur pour aller voir mon nouveau mec, donc est-ce que tu peux me lâcher la grappe, s'il te plaît? Pour bien marquer la fin de la conversation, elle prend la bague qu'il lui avait offerte et elle lui jette à la figure. Le passe-temps favori de Carmen sur Don José, c'est de lui balancer des trucs à la gueule. Bon, la fleur, il avait kiffé, là, la bague, il a pas kiffé du tout. Il a tellement pas kiffé qu'il prend son poignard et il commence à la poignarder à mort. Et pile au moment où Escamillo sort de l'arène, avec tout le public en fait, en mode « Ouais, bravo, t'as gagné, c'est top !»